La veille de Noël, marquée par une tragédie routière en Chine, 11 enfants de maternelle ont été tués hier dans la province de Jiangxi, dans le sud du pays. Parmi les victimes figurent 8 garçons et 3 filles âgées entre 4 et 6 ans. Sur les 17 personnes qui se trouvaient à l'intérieur, seules 6 ont survécu à ce drame. L'enseignante qui les accompagnait, 4 autres de leurs camarades et la jeune femme qui conduisait le véhicule. Cet homme qui réside à proximité du lieu du drame a assisté à l'accident. J'ai aperçu l'enseignante au niveau de la porte coulissante qui maintenait un enfant par la main pour que sa tête reste en dehors de l'eau. Quand je lui ai tendu la main et que je l'ai tiré vers moi, j'ai réalisé que cet enfant était ma fille. Ensuite, j'ai sorti un autre enfant et essayé de sauver tous ceux que je pouvais. Placée en garde à vue, la conductrice assure que la route était quasi impraticable et qu'elle n'a pas été en mesure de maîtriser son véhicule qui a fini sa course dans un étang. Sur les 11 victimes, 3 sont mortes sur le coup, les 8 autres à leur arrivée à l'hôpital.